Il est où le loquet? Il est là. Ah, il est côté gauche. Faut mettre les pinces, il démarrera pas. Moi je pense qu'il va démarrer. Essaye, tu vas voir. C'est quoi? Ouais, c'est celle-là. Je le savais, hein. Il a pas de batterie du tout pour mettre les pinces. Ah ouais. Bon bah je m'en occupe alors. Tu t'occupes de mettre les pinces? C'est mon taf. C'est ton taf. Mon seul taf pour toi c'est de détruire ça exactement. Attention les gars. Prends ça Alan, t'as l'habitude. C'est un râteau. C'est pas vrai hein. C'est marrant ça. C'est très très bien Alan. Alan. Oh putain. Ah. C'est bon. Ça va? Ouais. T'as vu toutes les merdes qu'il y a? Regarde, il y en a plein par terre, il y en a là, là, il y en a là, il y en a vraiment partout, t'as vu? T'as vu, il y en a là. Encore une là. Une grosse là. C'est pas cool. Je vais vous montrer à quoi je pense quand je dis qu'il faut faire. Il faut bien travailler et pas travailler dur. Suivez-moi. Voilà, alors là en attendant, quelqu'un peut venir m'aider? J'arrive! Personne veut m'aider, c'est pas grave. Je vais faire autrement, Victor. Quelqu'un peut venir m'aider? Voilà. Donc là, Victor, ce seau, je sais pas combien d'eau il contient, mais il est super lourd. Je suis incapable de le soulever. Mais vraiment incapable, hein, regarde. Si, je le soulève, mais oh là. Du coup, t'as besoin d'une bête. Ça peut vite partir. C'est rien, c'est la nature. C'est la campagne. Attention, vous êtes prêts? Voilà, nickel, regarde, on a bien travaillé. Est-ce que ça se vide là? Non, ça se vide pas, mec. C'est rien, c'est la neige. On perd du temps précieux. Attends, viens, on va vite la mettre dans la piscine. Avant que ça se vide tout. Vite. Ouais. Et là, tu suis, ben. Voilà. Oh, bonne idée, j'ai l'impression. Bonne idée. Et t'as vu les vidéos, tu sais, les mecs qui montent à l'échelle comme ça? Ouais, c'est ce que j'allais faire. J'allais essayer de faire, mais... C'est super dur. Allez, voilà. C'est là trop dur. Il faut monter ou là? C'est lui qui monte le plus haut. Ah, mais monte, ton deuxième. Oh putain. 4. Faut pas mettre un mois. Faut pas laisser les autres. Oh, ben, je sens qu'il va faire 6. On peut pas se laisser battre par binge. Parle pas. 5. Oh. Combien? 5. Ça marche ou pas? Ah, ça m'a rien fait. Ah, ouh. Ça te met une décharge là, quand même. Moi ça m'a rien fait, non. Parfait. Parfait. Bah non. Parfait, parfait. Donc une seule lame, tu vois. Faut mettre. Non, ça regarde, c'est toi qui fait là. Non, c'est pas toi. Il y a le jeu. Quoi? Il y a le. Dans ces minutes, ton cœur il va lâcher dans ces minutes. Ah, enfin, on voit un peu tes muscles. Ok, vous êtes prêts pour la tranche? Non, je vais mettre un t-shirt. Bon, ça, je peux te prendre. Ah, bah oui, t'es cool. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans la compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour une nouvelle vidéo. L'objectif est très simple. Vous allez nous suivre et on va vous montrer tous les obstacles qu'on va devoir passer les yeux bandés. Les garçons, je vous donne votre foulard. Merci.
Oui. Merci. Tu veux me pousser? Pousse-moi. Ah, oh, tu m'as poussé, Alan. La classe quand même. Et le dernier foulard pour moi. La classe à Dallas. Les gars, c'est pas un foulard pour mettre sur les yeux, c'est un foulard pour mettre dans la bouche. On doit faire le parcours sans parler. Ah ouais? Moi je pensais que c'était un foulard pour s'accrocher les couilles. Non c'est pas ça. Ah bah ouais, tu peux maintenir une érection. Je me maintiens un petit peu de floutage à la caméra. C'est pas pour torcher. Arrêtez, il y a trop de floutage à mettre les gars. C'est nos papillons. C'est ce qu'on gagne à la fin. Ok, les gars, un petit peu sérieux. J'aime pas, hein. J'aime pas la sensation. Avec un peu ça de ma zone. Ok, essayez, c'est horrible. Les garçons, on va faire le trajet ensemble et on va voir tous les obstacles qu'on a installés en fait ensemble. Suivez-nous. On est dans un parc à animal, c'est très simple. Si on s'égare sur un côté, on touche et ça fait une décharge. Voilà. Donc les yeux bandés, le départ sera ici. Okay. On doit courir. Petite piscine gonflable avec de l'eau pas très propre. Ah ouais, elle est dégueulasse. C'est quoi? Qui c'est qui a coulé un bronze? C'est ce que j'ai regardé. Il y a un bout de caca ou quoi? Ah ouais, c'est bien un bout de caca. Non, c'est quoi? C'est du ciment? Non, c'est du moelle, c'est du béton. Ok. Bon, je me tente. Hein. Non, c'est du caca quand même. C'est quoi? C'est du béton, c'est bon. Ok, cool. T'es drôle que ça soit du caca. Là, une piscine ainsi qu'un canoë double place. Très à l'aise. Ensuite, les garçons, non. Un arrosoir, facile, un pouf, une poubelle, une petite pyramide. Donc voilà, c'est des tonneaux. Une planche de placo avec, ça c'est le plus dangereux de tout le parcours, c'est des râteaux au sol. Baissez les yeux, regardez. Regardez au sol. Baissez les yeux. Regardez au sol, ce sont des râteaux donc. Démonstration 1, 2, 3 râteaux. Si tu marches dessus et que t'as le nez devant. Attends, mais lui il est un peu chiant. Voilà. Si t'as le nez devant, ça te pète le nez. Il va falloir faire attention. Tous comme ça. Hein. Ça va? Encore un autre bidon. Avec un mec en dessous. Hein, qui nous... Il y a un mec sous le bidon et en fait, pour nous déstabiliser, le mec se déplace. Ainsi qu'un petit vélo. Facile. On a le droit de l'utiliser pour finir le parcours. Les gars, on a le droit d'utiliser le vélo pour finir le parcours. C'est une très bonne idée. Okay. Ça marche? Une table avec du crottin. Tu veux que ça parte en fight, hein? Oh non. Stop it now. Là, vous allez me dire, mais Mick, c'est qu'un escabeau, c'est pas bien dangereux. Sauf que si on fait bouger l'escabeau, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Un mec avec un paintball nous tire dessus si la cloche sonne. Dans la tête, pan. Oh non, ça c'est chaud. Oh, pas la tête. Quel paintball? Le gros paintball. Le paintball des pros. Non, pas dans la tête, sur le corps. Vous tirez? Roxy, oui, tu l'auras entre les mains, toi. Pas les couilles, hein. Donc si vous entendez la cloche sonner, les garçons, vous savez ce qui vous arrive. Un petit vélo. Celui qui arrive à finir le trajet avec ça, chapeau. Peut-être qu'il y a un petit insecte qui va nous gagner, un petit scarabée qui monte dessus, qui, tu vois. Je comprends rien ce qu'il raconte. Désolé. On arrive au moment le plus crucial. Un camion nous barre la route. Un camion, les garçons. Un camion en métal. Première option. On monte sur cette échelle. On monte sur le toit du camion. Tout ça, les yeux bandés. Quand vous êtes sur le toit du camion, il se passe ça. Tiens, manche. Des pièges à souris. Deuxième option, les garçons. On rentre par cette porte. Bon, vous voyez que c'est un petit peu une toile d'araignée géante. Et on doit sortir du camion par cette porte là-bas avec des pièges à souris qui nous attendent juste ici. Alors maintenant, on va faire le tour, suivez-moi. On arrive bientôt à la fin du challenge. Ah, non. J'ai bien laissé passer comme ça et je me suis pris une décharge dans la vitre. Ah, voilà, je passe pas au milieu. On se retrouve de l'autre côté du camion. Le camion est noir de ce côté. Il faut le préciser, c'est le même camion. Ou on saisit l'échelle et on descend par l'échelle, ou on saute du camion, mais les yeux bandés, ça risque d'être très compliqué. Ensuite, des petits filaments là qui vont un peu nous emmerder. Une brouette, une piscine encore, une table. Et là, on doit courir jusqu'à l'arrivée. Suivez-nous. Et là, on court, on run. On run jusqu'à arriver
à ceci. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ceci? Ça vient d'où? Eh bien, je vous laisse découvrir ça, maintenant. Eh bien, ce petit bijou, c'est un XF800 de la marque Sirrusher, un vélo électrique avec suspension intégrale et pneus larges, équipé d'un moteur de 750 watts Bafang. En somme, les meilleurs moteurs. Il a jusqu'à 80 km d'autonomie pour un temps de recharge de 5 à 7 heures. Ce fat bike est leur meilleure vente et vous allez voir pourquoi en fin de vidéo. Restez jusqu'au bout, je mets le lien de leur site dans la description. Les gars, on se retrouve sur la ligne de départ, juste ici, avec la compagnie. Alex est équipé du paintball. Tire un petit coup, mon Alex. Voilà. On fait 30 secondes de silence et on analyse le parcours. Oh, c'est comme quand j'ai fait les coques d'or de ski. 30 secondes de silence. Je m'en fous. Putain, ça me fait peur. Je sais pas vous, mais moi j'appréhende beaucoup. Les gars, nous, à aucun moment on enlève notre bandeau. Non. D'accord. Le premier qui arrive au bout du parcours gagne le vélo. Je peux te dire le vélo rose. Non, pas le vélo rose au milieu du parcours, celui qui est tout au bout, le vélo bleu. Oh. C'est un vélo Sirrusher d'une valeur de plus de 2000 euros. En somme, vous allez être tranquille pour faire des balades avec votre petit papa chéri. Pas m'en dire plus. Et si on n'a pas de pas. Si on n'a pas de pas. Les garçons, est-ce que vous avez bien visualisé le parcours? Oui. Oui. À 3, vous mettez vos bandeaux. Oh putain. Attends, je stresse. Un des trains. Attention, on teste bandeau. Merde. Ah là, combien j'ai de doigts? Bah, 5. Bravo. 5 pour aussi. Tu t'es trompé, Alain, j'en ai plus que 2. Il en a 5. Est-ce que ma compagne? C'est horrible. Attendez, vous êtes où? Moi, je suis l'abbé. Dans 3, 2, 1, vous tournez. Combien de tours aussi? Vous avez quel âge? 22. Il a fait 22 tours. Voilà. Et c'est vrai que personne fait des photos. 5. Alain, tourne, tu tournes pas assez vite. Ah, pardon. 7. 8. Oh, putain, aïe. 9. Je me suis pris le jeu. 10. Aïe, Alain, tu me tombes dessus. Ah oui, bah. 11. Je sais plus. Roxy, c'est trop 22, je sais plus où je suis. 13. Roxy, c'est trop 22. C'est le but. C'est le but. 14. J'ai envie de vomir. 16. Tourne, toi. J'ai oublié de tourner. À 22, on part. 18, merde. Attention, à top. Continuez de tourner. Attends, viens vite. Tournez doucement, tournez doucement. J'ai la tête qui tourne. Et attention, top, c'est parti. Mais il faut que tu nous indiques où c'est. Ah bah non, c'est mieux. Allez. Les gars, c'est impossible côté, parce qu'on sait pas côté. D'où ça part. Je retiens ce que j'ai dit, je vais pas courir. La cloche. Sale salopard. Oui. C'est horrible, je vais le gagner ce vélo, je vous le dis, que dès que je sors du camion, je vais courir comme un malade. Alain, gagné. Ouais. Alain, vainqueur. Yes. C'était trop drôle. Cours, cours, il n'y a plus rien, tu veux courir. Sur la table. Je vais arriver, je pense. Ouais, ouais. Ah non, putain, la cape. Les gars, je sais pas où c'est. C'est là. Est-ce qu'on peut enlever le bandeau, chef? C'est bon, on peut enlever, c'est fini. Bravo, les gars. Alain, tu voyais ou pas? Non. Pas non, les gars. Il y a ce tir de précision. Les gars, aidez-moi, s'il vous plaît, je panique. Regarde. Hop. Moi, je suis à la dalle. Moi aussi. Je comprenais rien. Ah, joli. Quand je me suis pris les. Bravo. Quand je me suis pris les tonneaux bleus, je me suis dit allez, là je peux aller plus vite quoi. Parce que j'avais peur des râteaux. T'avais passé les râteaux? Ouais. Personne n'a pris de râteaux? Non. Et c'était horrible parce qu'Alain était là et vous étiez vraiment loin, du coup je savais pas. Ouais, tu savais pas comment filmer quoi. C'est dur à filmer. Alain, il a pris beaucoup d'avance. Ouais, vraiment il était.
Les gars, vraiment, je voyais rien. Oh, on a l'impression que c'était des enfants, il y avait des enfants de partout. Il fallait surveiller tout le monde. Rebonjour, c'est encore la compagnie pour une deuxième manche. La première manche était très rapide, un petit peu trop à notre goût. Et c'est un jeu que nous apprécions au plus haut point. C'est pour cela que nous allons faire 3 manches. Et là, on se retrouve pour la deuxième manche. Et cette fois-ci, on tourne 10 fois et non pas 22. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Prêt! Attention. 1, 2, 3 pour les bandeaux. Voilà. Et je vous dis le top pour... Il y a le test de bandeau avant déjà. Tiens, à chaque fois, ça va plus sur l'œil. C'est bon, il voit rien. Attention. Oh, ouais, petite réaction quand même. Non mais je protège mes couilles. Ah ouais. Aussi tu peux appuyer. Aussi je sais que tu touches toujours les couilles alors je me protège. Moi aussi. Exactement. 3, 2, 1, tournez. 5 fois, entre 5 et 10 fois. Ah, tournez, 10. Tournez, tournez. Allez-y, tournez, tournez, rapprochez-vous un peu. Hop. Ah c'est trop. Encore. Attention, allez encore. Encore. Allez encore 2 tours pour tout le monde. Attention, stop, arrêtez-vous. Et c'est parti, c'est par là la course. Tanguy, reviens. Qui c'est qui passe dedans? Alan, vous passez. Ah, y a le jus. Pardon. Vas-y, filme là-bas. Attention. Et Alan a gagné une nouvelle fois. Il l'a pas touché. Attention. Michel, je t'en prie. Ah, mais... Ouais, Alan, champion. Oula. J'ai gagné avec dignité. Pas possible, je suis là moi aussi, Vivi. Ouais, mais t'as pas touché le vélo. Ah, mais faut toucher le vélo. Il était avant, de toute façon, Mike. Bien joué, mon pote. J'étais pas loin cette fois-ci, hein. J'en sais rien. C'est pas fini. Rien. Allez. Allez. Yes. Je vous entends. Ah oh. J'ai bu en premier du coup. C'est Alan. Et même il était avant. Je suis dernier. Joli Alan. Bien joué mon pote. Alan, bravo, j'étais pas loin derrière. Ouais, bravo. Michel, bien parti. Je suis tombé, j'ai pris le jus comme ça, avec quelqu'un, je sais pas qui c'est, je crois que c'était Bage. Et on était par terre, allongé sur le fil électrique et ça faisait comme ça. Ben, il m'a poussé comme ça. J'ai dit, bon, bah, je prends l'échelle. Ah oui. Vous avez eu à la cam, vous avez tout eu? Ouais. Parce que là, ça partait dans tous les sens. Ça s'est passé après. Comment, Alan? Bah, je vous dis pas. Non, mais montre-nous là. Allez, j'ai ouvert. Comment tu fais? Allez, vous verrez au montage. Allez, on retourne là-haut. En fait, ma petite technique, je cours comme ça, je me protège un peu. Comme ça, exactement. Et arriver au camion, c'est le plus facile, je cherche l'échelle. Bon, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé deux fois en face. Et après, je me mets juste au bord du camion. Hop, et je saute, et là, il n'y a plus qu'à aller tout droit. Quoi ? Vu que tu vois jamais rien, toi, au rugby et tout, t'arrives pas à attraper les ballons, t'es là, t'as l'habitude de pas bien voir. Il a développé un sixième sens. Non, mais c'est genre là, il fait comme ça, il sent. Hop, oh, piscine. Hop, oh, canoë. Le premier qui arrive en 3 gagne le vélo. Alan est déjà à 2 et nous, 0. Tanguy, 0. Benjamin, 0. Alan, 2. Moi, 0. Si Alan gagne cette manche, il gagne le vélo. Autant vous dire. Vélo 2001 hein. Faites-vous un garrot à la tête. Hein. Attends, on va faire un petit test. Oh là là, j'ai déjà envie de vomir. Je pense que le fait de m'avoir, ça me donne envie de vomir. Aïe. Ah là là, il est mal mis, toi. Ok, il triche pas. Faut aussi que t'as pas pu toucher les couilles. Confiance règne, hein. C'est bon. Moi aussi, c'est bon. Ça serait trop drôle. Attention, 3, 2, 1, vous tournez. 1, oula, 2,
3, 4, 5, stop, arrêtez de tourner. La direction est la top. La direction est la top. Aïe. Aïe. J'ai pas de l'autre côté du fil, les gars. Non. Là, là, c'est bon. Qui c'est qui triche, qui me tue, là? Oh non, putain, c'est trop peur d'être fou. Aïe, aïe. Alan est encore bien parti pour gagner. Non. Aïe. Oh, putain. Ah, mon cou, putain. Voilà. Ah. Reste allongé, reste allongé. Reste allongé, reste allongé. Mais non, là, tu sais. Ah oui, t'as pris un beau coup. Ouais. Ah, reste allongé. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris dans le cou. La bille? Ouais, mais sur le côté. Arrête la vidéo. Ok, ok. Ah ouais, ça saigne un petit peu, on mettra pas à la caméra, mais il a pris une belle balle dans la carotide. De quoi mettre à mort un homme, un ours. Putain, j'en ai marre de cette échelle. Tu la prends tout le temps. Eh ben, j'ai visé. Oh, je me sentais trop bien. J'ai entendu Alan. Alan est premier. J'entendais Alan devant. Je me suis dit, mais je le rattrape là. En fait, il était juste par terre. J'ai cru que tu t'étais tordu le cou. Oui. Si c'est le paintball, ça va. Bah non, mais sur le coup, comprenez que ça fait super mal. Ouais, ah, ça réveille hein. Les gars, est-ce qu'on peut lui accorder la victoire pour ça? Ouais, je pense non, que... Ouais, non, ouais, c'est bon. Non, on n'a pas fini. Très bien, allez, on recommence, les gars. Les gars, juste, je suis un mec tranquille. Non, mais là, vous auriez tous gueulé. Pas du tout. Si, si ça aurait été moi qui aurais tiré, si bien sûr que si. Moi. En tout cas, je vous propose qu'on laisse le parcours en place pour qu'on vienne s'amuser le week-end, parce que c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. On pourrait ouvrir, hein. Ah ouais, un grand centre et tu pars à 50 genre. Ouais mais après faut pas mettre des pioches et tout. Non mais non. Mais après c'est une bonne idée de ouf. Tu mets des tonneaux. On peut organiser un concours hein. Ouais carrément. Putain, avec ma femme et... Avec ma flamme et Carlito. Avec ma flamme et... Et le bout. Mais vous stressez pas vous les gars? Si. 3, 2, 1, c'est parti pour 5 tours. 1, 2, 3, 4, encore un. Moi je suis à 5 là. Voici. 5. Attention. C'est parti. Arrête. Ah non, culade. Putain, oh, y'a un trou là. Putain. Ah, mais putain. Attention, viens à droite, à droite, à droite. Ah, mais c'est horrible. Tanguy, tourne-toi. Ah, c'est pas moi, je l'ai pas touché. Moi, je l'ai dans le cul. Aïe, 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 aïe. Ok. Ah bon. Vas-y. Aïe. C'est sorti. Aïe. Reviens là-bas. Tout ça. Là, la passe, passe le machin. Aïe. J'en ai. C'est la cape qui est tombée. Ah. Tanguy l'a touché. Non, l'échelle est à gauche. À gauche. Non, à droite, à droite. Non, non, là t'es de l'autre côté, là t'es à l'arrière du frogon. Tu dois être à droite, à ta droite. Ah mais. À droite alors. Là, là, en face. Comment il fout? Comment il fout? Roxy, je suis encore dernier. Bon. Et en plus t'es une bille. Et en plus j'ai pris une bille que je mérite pas. Bon bah je suis le plus nul. Non, je suis pas nul. Aïe. Oh, c'est pas coup de fou pour Nan. Oh, c'est horrible. Bon, attention. Encore un peu, encore un peu. Allez, allez, vas-y, tu peux le faire. Mais les gars, vous êtes trop forts. Comment vous faites avec l'échelle?
Moi je passe toujours dedans, depuis le début je passe dedans. À la descente elle faisait comme ça. Non mais moi j'ai fait l'échelle mais je savais pas où elle était. Impossible l'échelle. Vous voyez, comment tu sais où elle est l'échelle? Bah je te dirai pas. Il triche. Oh, il tombe dessus. Le gars il triche pas. Il triche pas. On s'écoute, on s'écoute. Alan ne triche pas. Les deux premières fois je suis tombé en face, mais par contre la troisième pas moi en face. Et moi, Roxy, j'ai tapé la cloche, il a tiré sur le bas. Putain, c'était une bonne partie. Hein. Ouais, bonne partie. Vraiment marrant. Alan, il a été encore plus rapide. À la fin, j'ai compris la technique, je courais comme ça. Comme vraiment comme ça. C'est ça la technique? Je courais comme ça. Vas-y, maintenant, tu courais comment toi? Allez. Ça y est, j'ai gagné? T'as gagné, mon pote, bravo. Bravo. Bravo, mon pote. En gros. Joli, Alan, en ça gros, fait un moment. J'avais une technique, je courais tac, tac. Tu courais comme ça? Attends. Tu courais comment? D'après, tu nous fais une démo. En gros, je faisais comme ça. Ouais, comme nous quoi. Ah mais ça marchait bien apparemment. Non mais tu as gagné comme ça? C'est pas possible, je suis pareil, même. Non, c'est pas possible. Les gars, vous savez ce qu'on fait? Si nous on aime beaucoup et les abonnés ils aiment beaucoup, on fera une saison numéro 2, une manche numéro 2. Et puis à force, avec d'autres obstacles, ok? On ouvre une entreprise. Et à force, on vous invite et tout, et après on fait des machins à 10, 20 avec les abonnés. En genre. Vrai, ça serait ouf de faire une grande salle comme ça où t'as plusieurs parcours, mais tout en mousse et tout protégé. Et les gens partent à l'aveuglette comme ça, et t'as des petits sons à gauche à droite. Tu dégages de mon cirrusseur? Allez, amuse-toi. Fais-nous la démonstration. Vu que je suis un peu l'expert. Cirrusseur, les yeux fermés. En gros, ça, c'est un vélo pour la plage, si tu l'équipes pour la neige ou pour tout terrain. C'est de la bombe. On vous mettra le lien du site en description, les gars. Comme il est puissant, regardez. Regarde, il faut remonter. Waouh. Non mais ça va trop vite. Wow. Ouf. Alors là, tu sais pas combien j'étais? Allez, vas-y, je retourne. Tu montes à combien avec ça? Tu montes à 50, non? 50, ouais. Vas-y, Bobo. Oh, Bobo, c'est écarté. Non, de Dieu. Oh, mais ça va. Wow, ça va trop vite. Vous voulez essayer, les gars? Allez, je m'essaye un coup. Ça vous dérange pas? Comment ça marche, moi, là? Bah, tu tournes comme une moto. C'est une moto. Non, c'est genre là. J'ai cru que c'était là. vous pouvez pédaler aussi, c'est le but. Assistance, Ah ouais, putain, c'est où? Moi, je vais pédaler un peu. T'as 5 modes, 5 vitesses. Tu peux rouler dans les bouses. En vrai, c'est un truc de ouf. Et les bouses, les vidéos, franchement, c'est un truc de ouf. Il est magnifique. Ouais. Et si vous voulez faire un autre partenariat, c'est avec plaisir parce que on aime le produit, quoi. Le moteur, c'est Bafang. Le kit, c'est freinage et tout, c'est Shimano. C'est vraiment pédalier aussi. Ouais, c'est hydraulique. Frein à disque et tout, c'est incroyable. Incroyable. Super content les gars d'avoir fait cette vidéo ensemble, et je pense qu'on a vraiment dégoté un concept du feu de Dieu. On l'a pas forcément dit, mais c'est un concept inspiré des Jackass. Nous on va ranger un petit peu tout ça, et puis on vous fait des gros bisous, bon week-end à tout le monde, bonne soirée, profitez bien. Ça y est, tu te réveilles toi? Vas-y, éclate ça avec les dents pour faire la fin de l'épisode. Une dernière chose, si tu cliques sur ce bouton, on va dépasser Squeezie, grâce à toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Je te fais confiance. Ciao, bello.